Hello les filles, alors il est samedi soir, vous êtes pomponnées pour sortir, vous êtes bien maquillées, bien habillées et vous vous sentez belles. Mais, oui, car oui, il y a un mais, vos cheveux n'ont aucun volume, c'est raplapla. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Bon, j'ai peut-être une solution pour vous, donc... Si vous voulez voir ma solution et comment je fais pour ajouter du volume, restez connectés et suivez cette vidéo. A tout de suite. Pour ça, il vous faudra une bobine de fil, une aiguille, grosse ou petite, vos clips, et puis, bien entendu, votre bande de tissage. C'est parti. Alors, voici ma bande de tissage et plus les ciseaux. Il ne faut pas oublier les ciseaux. Ensuite, lorsque j'ai tout ça, je prends la bande de tissage et je cherche l'emplacement où je veux placer mes clips. Donc, je trace des lignes. Moi, je porte une perruque, mais vous pouvez très bien le faire avec vos cheveux naturels, avec un tissage, avec une perruque. C'est vraiment possible avec tout. Alors, lorsque j'ai choisi l'endroit où je vais placer mon clip, j'ai pris les centimètres, donc je coupe. Et je fais la même chose sur toutes les parties où je veux placer un clip. Alors, c'est possible de faire des clips avec des mèches Rémy Air que vous achetez dans le 10e à Château d'Eau, enfin dans toutes les boutiques afro, ils vous vendent ça. C'est possible de le faire avec les mèches un petit peu plus chères, donc des brésiliennes, des péruviennes, des malaisiennes, toutes les mèches possibles. Moi, j'ai pas acheté les mèches, c'est des mèches que j'ai depuis un moment, c'est des petites chutes qu'il me restait. Donc c'est possible aussi d'acheter dans les boutiques afro. Et pour les brésiliennes, vous avez plein de pages sur Facebook où vous pouvez vous en procurer. Voilà, une fois que j'ai délimité les emplacements où je vais mettre mes clips, hein, on y go, c'est le boulot qui commence. Comme vous voyez, j'en ai déjà placé un, c'est très rapide, c'est pas du tout compliqué. Maintenant, on va placer le deuxième ensemble. Alors, pour placer le deuxième, il vous suffit de prendre votre fil et le mettre dans l'aiguille, bien sûr. Faire un petit nœud à la fin pour pas que le fil s'en aille. Sur le clip, vous avez deux faces. Une face avec une bande en plastique et l'autre face avec les grilles. La bande en plastique doit être placée sur la bande de tissage et puis les grilles doivent être vers vous. Ensuite, vous avez juste à mettre votre aiguille, commencer à coudre. En fait, c'est tout simple, c'est comme si vous faisiez de la couture. Vous commencez plutôt à faire entrer l'aiguille vers vous, puis pour ne pas qu'il y ait le petit nœud de fil de l'autre côté de la bande, celle qui se verra donc. Et puis, vous faites des va-et-vient. Il y a deux trous, il y a trois trous plus exactement. J'ai passé le premier trou et maintenant je passe dans le deuxième trou. Vraiment histoire de bien sécuriser le tout. Vous pouvez faire plusieurs passages, 2, 3, 4, c'est vraiment selon vous. Ensuite, lorsque vous avez fait votre passage, vous découpez et puis vous faites un nœud vraiment pour que le clip tienne bien. Et puis vous découpez. Maintenant, vous allez venir faire la même chose sur les autres petits trous. Pas besoin de savoir coudre, pas besoin d'avoir une technique particulière. C'est très facile. Donc voilà, mon clip est posé. Les filles, vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est rapide, ça ne coûte rien et on pouvait réutiliser à volonté. Et les clips coûtent 5,50 €. Mais je sais que vous pouvez les trouver beaucoup moins cher à Château d'Eau, à Strasbourg-Saint-Denis. Je les ai eus pour 5 €, mais je sais qu'il y a des boutiques qui les vendent beaucoup moins cher pour les 10 clips. Donc voilà, mon clip est posé. Maintenant, il me suffit de terminer les autres. Mes clips sont terminés. Place maintenant à l'application. Donc, je redélimite les endroits où je vais placer mes clips.
et juste à prendre mon clip et le clipper sur mes autres cheveux, donc sur les bandes que j'ai déjà sur la tête. Voilà. J'applique mon oil olive sur mes cheveux, c'est pour éviter les cassures en fait, avec le fer. Puis ensuite j'ai mis mon studio line de chez L'Oréal, mon fer, un peu de lac, et je mets une petite pince pour que la boucle reste un petit peu, que j'essaye du moins de la laisser qu'elle refroidisse et pour qu'elle reste ondulée. On fait la même chose à tous les endroits où l'on veut placer un clip. Vous voyez les filles, c'est pas très compliqué. Les clips ne sont pas faits que pour les cheveux européens, caucasiens. C'est possible de le faire avec un tissage, c'est possible de le faire avec une perruque ou sur vos propres cheveux afro, enfin défrisés surtout. C'est aussi possible sur des cheveux aussi nappis, pourquoi pas, puisqu'ils vendent maintenant les mèches naturelles crépues. Ensuite, j'enlève mes petites pinces. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez réutiliser à volonté, que vous pouvez teindre vos mèches. Il n'y aura pas de problème, vous pourrez les couper, les recouper, vraiment les adapter selon la coiffure que vous aurez. C'est vraiment pour apporter du volume. Si vous voulez les enlever, c'est possible de les enlever, peut-être pour aller bosser. Vous n'avez pas envie d'avoir un gros volume sur la tête, vous n'avez pas envie de vous coiffer tous les jours. Et si vous avez envie d'une petite sortie, d'une soirée, vous mettez vos clips et puis voilà, le volume est là. Et voilà, le clip est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je suis prête à sortir. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt. Peace.